Alors bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour faire une mousse au chocolat toute simple et facile à faire. Pour ça, il vous faut 5 œufs ou œufs comme vous voulez, de la vanille, une pincée de sel, du sucre. Alors moi le sucre, il y en a qui n'en mettent pas, moi je mets l'équivalent de 3 quarts du petit pot, là ça fait à peu près une cuillère à soupe, et évidemment du chocolat. Que je t'avais promis hier. C'est ce que je t'ai promis hier. Avec du chocolat. Non, c'était quoi déjà? J'ai oublié. Pour le chocolat? La mousse. Ah oui! La mousse! J'ai donc mis, j'ai donc séparé les jaunes des blancs. J'ai mis une pincée de sel dans les blancs et dans les jaunes, j'ai mis donc la vanille et le sucre. Alors en général, je commence toujours par battre les blancs parce que comme ça, j'ai pas besoin de. Alors, c'est un peu de la flemme. Hein. J'ai pas besoin de nettoyer le fouet après pour battre les jaunes. Donc je commence par les blancs. Et on va faire ça. Voilà, maintenant, vous voyez les blancs, pour qu'ils soient bien battus, il faut que ça fasse un petit bec. Et vous voyez, ça tombe pas. Donc, c'est qu'ils sont correctement battus. Là, j'ai mon chocolat qui au bain-marie, qui fond doucement. Et je vais maintenant m'attaquer au jaune. Et voilà, on obtient donc une mousse, une sorte de mousse crémeuse et onctueuse. Pour notre chocolat, du coup, il est prêt. Pardon. Voilà, donc on va pouvoir couper le feu et on va le mélanger. Voilà, on a donc notre chocolat. Je vais le mélanger petit à petit au jaune parce qu'il est chaud. Et on se retrouve quand c'est fait. Alors, j'ai oublié de vous dire quelque chose. C'est que ce soit pour les jaunes ou pour les blancs, je commence toujours par une vitesse minime. Et j'augmente la vitesse au fur et à mesure jusqu'à ce que j'obtienne la contenance voulue. Voilà, maintenant on en est au point où on va mélanger les blancs avec notre pâte chocolatée. Et donc voici maintenant la consistance obtenue. Donc, du coup, nous obtenons voilà le résultat. Et la décoration, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai râpé un petit peu de chocolat blanc que j'ai parsemé par-dessus. Après, c'est vous qui voyez ce que vous voulez mettre dessus ou pas, d'ailleurs, comme vous voulez. Mais vous obtenez là une mousse légère et onctueuse. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon appétit. À bientôt.